Eh bien salut, bonsoir mes chers amis et bienvenue dans notre 11e partie sur Cities Skylines. Alors la dernière fois la vidéo a été un peu longue, mais disons que j'ai dû régler tous les problèmes de ma ville. J'ai réglé le problème de l'autoroute, c'est-à-dire du trafic, j'ai réglé le problème de l'électricité, de ci, de ça. Mais l'industrie n'est pas encore tout à fait réglée parce qu'il y a plusieurs bâtiments de... Ouais, beaucoup de bâtiments abandonnés malheureusement. Et là, c'est parce que l'offre d'emploi est trop grande. Il y a trop de bonhommes qui veulent offrir de l'emploi. Alors, ce que je devrais faire, c'est détruire une autre ligne d'industrie, je pense. Ouais, je vais détruire une autre ligne. Et là, voyez ici, le truc, c'est que la dernière fois, j'ai oublié d'enlever quelque chose. C'est-à-dire, attendez, comment on fait? Ah ouais, c'est ça. Voyez ça? J'ai oublié d'enlever ceci, alors même si j'ai détruit ces industries, ils ont recommencé à en reconstruire, malheureusement. Et là, c'était pas bon du tout. Et maintenant, il y a des morts ici. Ben, en fait, il y a un mort ici. Je sais pas qu'est-ce que le cimetière fait. Le cimetière qui est là, il devrait envoyer un camion pour aller chercher le bonhomme mort. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est construire les trucs qu'on a détruits la dernière fois. C'est-à-dire, attendez, deux cimetières, on va... j'ai envie de construire un crématorium, mais il me faut beaucoup plus d'habitants. Mais je crois que je vais faire avec ça. Alors là, j'ai envie de mettre ça ici. Mais bon, non, c'est pas une trop bonne idée. Alors j'ai un cimetière ici, j'aurai un autre cimetière ici. C'est pas trop bon comme emplacement. Je voudrais le mettre à peu près ici, puisqu'il y a plus de morts en haut. Ouais, mais le mettre au milieu, ce serait mieux, non? Non, ok, on va le mettre ici. Je sais pas si ça va marcher. Je crois que ça devrait marcher. C'est juste que ça va prendre du temps pour aller chercher ces morts, puisque disons que c'est un peu loin de ces endroits. Mais je crois que c'est un bon endroit. Alors là, je devais construire une caserne de pompiers, des trucs comme ça. Mais je crois que pour l'incendie, c'est correct. J'ai plus besoin de construire de caserne de pompiers. La dernière fois, j'en ai rasé un. En ce qui concerne la criminalité, elle est de 9%. Alors, je crois que je vais construire une vraie... j'allais dire caserne, non, un commissariat de police. Je sais pas, c'est où, c'est ici? Non, ça c'est les pompiers, j'arrête pas de me tromper. Alors, ok, quartier généraux de la police. Parce qu'avec ça, il y aura 25 voitures de patrouille. Tandis qu'ici, c'est un maximum de 10. Alors, on va prendre ceci, on va le mettre... on va le mettre ici, comme ça il pourra bouger super rapidement, n'est-ce pas? Ouais, ok, let's go. Alors là, je devrais peut-être développer un peu ma ville, mais les besoins sont pas vraiment là. Alors, on va avancer le temps. Et la police est là pour servir, protéger, en gros, justice pour tous. Exactement. Alors là, j'espère... Ah, ok, on vient de chercher un mort ici. Ah, ok, on va chercher ce mort-là. Je veux voir qu'est-ce qui arrive. Où est le camion? J'entends plein de maisons qui développent. Ah non, il y a encore un autre mort, c'est pas croyable. Alors là, oh boy, qu'est-ce qui arrive? Attends, c'est quoi l'affaire du son? Les habitants sont malades. Ok. Attends. Les habitants sont malades. Est-ce que je devrais construire plus de trucs de santé? Capacité de soins 400. Service funéraire, c'est correct, mais... Santé moyenne 60%. J'ai beaucoup de cliniques ici. Je devrais foutre une autre clinique quelque part, juste pour le plaisir. Comme ça, ils vont être super contents. J'aime ça voir les gens faire la vague de sourire vert, là, comme « Wouhou! Wouhou! » C'est tellement génial, regardez ça. Pour la clinique, on va mettre ceci. Non, à moins que... Oh, un hôpital général, pourquoi pas? On a toujours besoin d'un hôpital, même si c'est... C'est, disons, comment t'appelles ça? Un village, même si j'ai juste un petit village. Mais je sais pas où le mettre. Ici? Non, il y a juste une petite clinique ici, c'est pas un bon emplacement. Mais toutes ces places sont occupées, malheureusement. Regardez ça, espace déjà occupé, je peux pas le mettre ici. À moins que je bulldoze ces endroits. À moins que je le mette ici, je peux pas le mettre ici. Fuck! C'est trop compliqué. Oh man! C'est trop compliqué. Ou bien je... Ouais, je devrais juste péter ceci et mettre ceci ici. Ah non, ça va pas marcher. Ah, que c'est compliqué là. Ah mais, juste à côté de l'autoroute, pourquoi pas? Eh bien voilà, soyez contents. Wouhou, regardez-moi cette vague. C'est pas un bon endroit pour mettre mon hôpital, je le sais très bien. Mais ça, c'est correct, ils vont se débrouiller. Ouais. Quelqu'un sait combien ce compteur d'énergie, blablabla. Ah, waouh. Bon, pour l'instant,
Il y a des morts, c'est normal, mais au moins il n'y a pas de, disons, d'icône rouge. D'habitude, si tu laisses les morts ici trop longtemps, l'icône devient rouge et puis le corps pourri se désintègre. Il y aura des rats qui vont venir manger le corps. Et... Oh, oh, ok, il y a des rats qui vont venir manger le corps, je pense, hein. Bon, je veux voir le genre de camion qui amène le mort. Attends, you. Ok, non, attends. Je vais la voir. Est-ce que c'est ici? You le mort, j'essaie de cliquer dans le bâtiment où il y a le mort là. À moins que c'est un sans-abri qui est mort dans la rue. Ah, ok. Un mort attend d'être transporté, voilà. Ah ben, je pouvais juste zoom in. Mais d'habitude, quand je zoom in, des fois ça disparaît. Alors je me disais, ah, peut-être j'ai pas le droit de zoom in. Bon, alors là, je veux voir les camions. Je vois une voiture de police, il s'en fout carrément que trois personnes se sont fait massacrer ici. Mais je veux voir le camion là pour le cimetière ou les trucs comme ça, ils sont où? On va avancer le temps, on va voir s'il va venir. Ah ah, ok, non, c'est un taxi. Oh lui, c'est lui. Mais voyons donc, ils sont partis où? Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas leur job! Non mais ils vont... Ok, c'est lui, ah, la voiture noire. Ok. Ouais, il prend son temps pour aller chercher les bonhommes, hein. Il a foutu... Hey, t'en as oublié un, mon gars! Ok, lui, il a fait sa job, ambulance. Mais l'autre, là, il a pas fait sa job! Il en a manqué un! Il a juste pris trois corps. Regarde, s'il travaille tout seul. Et il y a une voiture. Sa voiture avait autour de 4 places au moins. Regardez ça. Je comprends pourquoi ça marche pas leur truc. Ils prennent 1, 2, 3 bonhommes seulement. Il y a... Ok, regarde. Le siège du conducteur. Ensuite, il y a le siège à côté. Et il y a 3 places derrière. Il y a le coffre. Il peut mettre au moins 7-8 corps dans sa voiture. Voyons donc. Pas besoin de mettre comme le cercueil et tout là-dedans. Écoutez, quand tu vas chercher un corps là, tu vas chercher le corps et ensuite tu vas mettre le corps dans un cercueil. Lorsque tu arrives à l'endroit là, qui est ici là, au cimetière, tu vas pas mettre le corps là dans le cercueil quand il y a dans la maison. Voyons donc. Ok, là il faut que je règle le problème des morts. Parce que ça marche pas du tout. Il y en a vraiment beaucoup. Parce que il y a beaucoup de seniors, je pense, hein. 17% des gens sont des seniors. Évidemment. Bon, en tout cas, le problème de l'industrie ne se règle pas. Alors je vais raser une autre rue. Ouais, une autre rue va être rasée, malheureusement. Je suis vraiment désolé. Mais c'est la vie. Ah, attendez, ce que je pourrais faire, c'est juste faire ça. Comme ça. Ah ben voilà, regardez, ça va se détruire tout seul, je pense. Non, ok, ça se détruit pas tout seul. Fuck that shit! Vroom vroom! Vroom vroom! Je sais pas qu'est-ce que je viens de détruire là, mais vroom vroom! C'est peut-être une caserne de pompiers ou whatever. Oh boy! Attends, lui il se plaint des impôts? Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Pourquoi il se plaint des impôts, ce gars-là? Je devrais raser sa rue, voyons donc. Bon, maintenant, je crois que ça va être correct, hein. J'ai rasé beaucoup d'industrie et tout. J'ai envie de construire ma couille-land là. Le genre de Disneyland ici. Je vais écrire couille avec les rues et tout. Mais il faut que je règle les problèmes de cette ville. Sinon, j'aurai pas de revenus. Je suis passé de 300 000 $ à 126 000 $. C'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Regardez ça, les morts. Il y a un problème. Attendez. Service funéraire. Utilisation cimetière 3%. Il y a 198 morts en tout. Je peux en placer 6 000. Disponibilité crématorium, décès 78. Capacité 0. Ah, c'est parce que j'ai pas de crématorium, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je fais? Service funéraire, regardez, j'en ai placé un là. Alors, dis-moi pas, je dois en placer un à chaque coin de rue? Non, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Bon, ok, ils vont régler leurs problèmes eux-mêmes là. Whatever. Bon, là, il faut que je construise ceci. Attendez, à densité élevée, ouais. Résidence à densité élevée parce que j'ai besoin de population. Regardez, la barre est verte, là, elle est super haute. Bon, on va construire ceci, ça va être parfait. Et là, je voulais pas vraiment construire de condo ici. Je voulais faire en sorte que ce soit juste un petit village. Vous savez, des maisons pour les riches, whatever. Mais là, je vais me conformer au jeu. Je vais faire comme si le jeu me dicte mes actions. Alors, ouais, je vais construire ça ici. Voilà. Je voulais le réserver pour la Couilland. Mais bon. Oh boy! Ok. J'aurais pas du tout peinturé ça. J'aurais pas dû peinturer tout ça. Est-ce que tantôt j'ai dit j'aurais pas du tout peinturé ça? J'aurais pas dû peinturer tout ça. Bon, acheter un nouveau terrain. Fuck that shit, pas pour l'instant. Ouais, ok. Là, je comprends. Avant, là, je pouvais faire comme... Avant, je pouvais... Si j'avais utilisé ceci, c'est-à-dire résidence, zone résidentielle à faible densité, si j'avais peinturé tout ça...
ça aurait été correct. La barre là serait restée comme ici à peu près. Mais là, puisque j'ai utilisé densité élevée, résidence à densité élevée, ça se vide super rapidement, malheureusement. Vraiment, malheureusement. Et là, il faut que je rase ceci, voilà. On va essayer de laisser le temps avancer super rapidement. Comme ça, là, on pourra régler... Ben, on va essayer de régler les problèmes au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Et en même temps... OK, il y a trop d'industrie qui se fait péter la gueule. Voyons donc. Je vais enlever ceci aussi, là. Voilà. Là, il devrait plus avoir de problème. N'est-ce pas? Allez, raser. Voilà. OK, bon. Pour le trafic, tout est parfait. Ici, je peux contenir plusieurs voitures, plusieurs camions. Ici, les vidanges. Je dois garder cet endroit pour les vidanges et tout. L'énergie, c'est parfait. Et OK, ouais, c'est ça. Ce sont des condos, hein? Wow! C'est pas si pire, ces condos, hein? Pendant qu'ici, il y a des condos, ici, ce ne sont que des petites maisons. Wow! Alors, je peux attirer les petits gens de la campagne dans ces condos. Vous savez, les gens qui sont dans la campagne rêvent de vivre en ville. Alors, je satisfais à leurs besoins. Et il y a plein de monde qui sont en train de level up. Pour l'instant, je vais juste raser les maudits bâtiments qui n'offrent rien, qui sont abandonnés. OK. Non, j'ai vu deux industries. Quand je zoom in, je comprends pas pourquoi je les vois pas. C'est comme... lui, attends, il est en train de se plaindre des impôts ou quoi? Voyons donc, c'est le seul qui se plaint. Regardez ça. Ici, là, il y a deux maisons abandonnées. Mais quand j'arrive là, je ne les vois pas. Il faut que je les clique un par un pour savoir c'est quoi. Qu'est-ce qui est abandonné? Où es-tu? Où est... Ah, OK. Regardez, supermarché, impôt trop élevé. Est-ce qu'il est sérieux? Il est en train de me niaiser, ce gars-là. OK, bon. On est à 12%. Arrête de te plaindre, mon gars. OK? Les gens ne se plaignent pas? C'est parfait. Alors là, pour les industries, on va le mettre à 11. Il faut balancer les trucs, n'est-ce pas? Et là, ça se règle pas les problèmes. J'essaie de développer ma ville, mais ça se règle pas, malheureusement. Il y a une forte demande en industrie. Mais, qu'est-ce... L'affaire, c'est que... Si je regarde ça... Oh, OK! J'ai rasé assez d'industrie, maintenant je peux en rajouter. Parfait! OK, là, c'est parfait. Mais là, je sais pas si je devrais faire... OK, les zones industrielles, on peut pas faire des zones industrielles à densité élevée. Bon, peut-être que je devrais mettre des bureaux, hein? Puisqu'il y a du monde qui vont venir vivre en condo. Alors, je devrais mettre des bureaux, peut-être. Ouais. OK, on va voir ça ressemble à quoi, mais... Je sais pas si c'est bon de les mettre à côté des industries, alors je vais les mettre... juste ici, là. Juste voir ça a l'air de quoi. On va construire... une rue de bureaux. Comme ça, voilà. Et là, on dirait que la ligne électrique... C'est pas bon. Je vais construire des bureaux là, mais OK. Ouais, c'est un peu laid ma ville là, mais je suis vraiment désolé. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Ça marche pas? Pourquoi? Regarde, exigence, industrie ou bureau élevé. Pourquoi ils construisent pas de bureaux? C'est quoi leur problème? Mais voyons donc, allez construire. Regardez ça. Si je fais ça ici, je suis sûr à 100%. Il y aura des industries qui vont apparaître. Ah, OK, ils apparaissent maintenant. OK, ben plus besoin de savoir là. Bon, on va avancer un peu le temps, voir qu'est-ce qui se passe. Y a-t-il des exigences de je sais pas quoi? Il y a beaucoup de morts. Je devrais peut-être construire un autre truc. OK, je vais essayer de ne pas suivre la logique de la vraie vie. Et puis construire plus de trucs comme des cimetières et whatever. On va foutre un cimetière ici. Je sais pas, je vais essayer d'en mettre un ici. Non, je peux pas. OK, ouais, je peux. Okay, je vais foutre un cimetière ici. Les gens qui vont venir dans ma ville, ils regardent à droite. Ils vont être comme... Holy shit, motherfucker! Ils vont se dire, pourquoi il y a plein de tombes ici, whatever. Quand je me promène dans une ville, là, j'aime tellement pas savoir les cimetières. Ça me fait peur, je sais pas pourquoi. Alors là, j'imagine pas ce que... C'est quoi la réaction de ces personnes, mais... Oh, ben que la ville est longue! Wow! Hey, tu sais... Regardez, lui là, il a bloqué deux voies. Fuck lui. Regardez, il y avait tellement de place ici, mais il a bloqué deux voies comme un petit con. L'enculé de merde. Bon, OK, il faut que j'arrête d'être vulgaire, je sais. Bon, on peut construire d'autres industries parce que je crois que maintenant, tout est correct. Ouais? Ouais? Attendez, pause. Faut pas qu'ils construisent des industries ici. Ah, ce que je pourrais faire, c'est faire paint comme ça. Enlever ceci, comme ça.
enlever ça, ça. Voilà, bon. Ok, là il me faut plus de magasins, je pense, hein. Alors, Attends. J'ai construit des condos ici, depuis quand? Depuis quand j'ai construit des condos ici? What the fuck? Regardez, les gens qui vont vivre ici, ils vont être fâchés qu'il y a des industries ici juste à côté d'eux. Et en plus, il y en a un qui prend feu. Voyons donc. Ok, non, c'est pas bon du tout. Ils vont se plaindre en maudit. Ok, on va faire en sorte qu'ils payent moins cher, là. Ok, on va faire en sorte qu'ils payent moins cher. C'est pas si pire que ça. Bon, aussi, juste pour satisfaire leurs besoins, on va mettre plus de McDonald's, plus de Burger King. Pourquoi pas? Ouais! Regarde, zone commerciale là-dedans, c'est élevé. Non, ce qu'on va faire, c'est zone commerciale. Oups, désolé. Ce que j'avais, j'avais mal lu. C'est faible densité. Ça, c'est à faible densité. Bon, voilà. Ça, c'est à densité élevée. J'avais mal lu. Je suis un peu stressé à cause de la ville. Vous savez, ça me pète la tête, ce jeu. C'est pas incroyable. La menace des tsunamis provoque la fermeture des centrales nucléaires partout dans le monde. Blablabla. Merci beaucoup. Ok, pour les déchets, je sais pas si tout est correct. Attends, on va regarder. L'électricité, j'en produis beaucoup. Alors, on pourra réduire un peu notre consommation ici, comme ça. Est-ce que c'est parfait? Parce que les quartiers sont bien mis. Ok, ouais, j'ai bien peinturé les quartiers. Ok, pour l'électricité, pour l'instant, c'est correct. L'eau, c'est correct. Les déchets, c'est pas trop correct parce que je vois qu'il y a du monde qui se plaignent ici. Qu'est-ce qui se passe avec les camions? Qu'est-ce qui se passe avec les camions? Voyons donc. Et attendez. On va voir ça. Camion poubelle en service 0 sur 8. Oh, c'est parce qu'il n'y a plus d'espace. T'es sérieux? Ok, on va vider le bâtiment. Pas trop le choix. Dis-moi pas qu'ici, il n'y a plus de... Oh! Ok. Je comprends qu'est-ce qui se passe. Bon, alors là, je crois que ces trucs sont pas bons, hein. Ouais, les déchets s'accumulent, j'ai remarqué. Alors, les usines d'incinération, je crois que ça, c'est bon. Parce que ça nous permet de brûler les vidanges. Et en plus, de produire de l'énergie. Alors, réserve de déchets, je vois que ça baisse et tout. Ouais, ok, ouais. Fuck ces choses-là. Après que je vide ce bâtiment-là, je vais le détruire. Et construire plus d'usines d'incinération. Fuck that shit, les gars. Oh, qu'est-ce qui se passe? Valeur foncière trop basse. Mais... les bâtiments peuvent être laissés à l'abandon. Oh, t'es sérieux? Construisez des parcs? Oh, come on, les amis, j'ai pas envie de construire de parcs et tout. Vous exagérez. Ma ville se développe super vite. Regardez l'exigence et tout. Je crois que pour l'instant, tout est correct. Ouais, ok. Merci. Une chance que j'ai détruit les bâtiments, ben, les industries au début. Maintenant, je peux construire ceci. Voilà, ok. Plus d'industries, c'est parfait. Parce que je devrais en construire ici puisqu'il n'y a pas de maison. Ouais, ok, on va les étendre jusqu'ici puisqu'il n'y a pas de maison. Alors ça va être parfait. Ça va être un peu chiant parce que je n'ai pas de gazon ici. Ce qui fait que la pollution sonore va être élevée. Mais c'est... Oh fuck, j'ai fait une erreur. C'est un risque à prendre en gros. Quand tu viens habiter dans ma ville, tu prends des risques, mes amis. Alors là, maintenant ça ici. J'ai pas... Vous savez, quand... je le répète souvent, mais cet endroit là, je veux pas faire en sorte que ce soit... une métropole en tant que telle. Je veux que... Ah, faut pas que j'en construis trop. Ouais, faut pas que j'en construis trop. Je veux faire en sorte que ce soit comme un petit village. Genre, vous savez, il n'y a que des maisons, il n'y a que des petits magasins et tout. Je veux pas faire que ce soit comme une métropole où il y a des gros magasins partout, il y a des condos à longueur de journée. Regardez, je préfère que cette ville, en fait, ce territoire, n'ait que des petites maisons comme ça. Je veux pas qu'il y ait des condos comme ça. Non, ça fait lève, vous trouvez pas? Regardez. Oh, il y a des condos ici. Et ensuite, il y a des petits hamburgers ici. Il y a des petites maisons ici. Il y a des peanuts. Il y a un oiseau qui vole de nulle part. Bon. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors là, je crois que le problème des vidanges ne se règle pas. J'aurais pas dû foutre ça ici, j'aurais dû mettre ça ailleurs, hein. Ouais, je crois que je vais le mettre ailleurs. On va le mettre juste ici. On va le mettre juste ici, voilà. Bon, comme ça, il pourra aller chercher les vidanges ici.
Il y a de la criminalité. Oh boy, que c'est dur de gérer une ville. Je sais pas comment vous faites là, mais moi ça me pète la tête. J'ai comme une migraine, mais je peux pas arrêter de jouer à ce jeu, c'est trop génial. Peut-être que je devrais mettre le transport en commun quelque part là, mais j'ai pas envie. Non, c'est juste un petit endroit. Peut-être que si j'achète cette parcelle de chemin, ben cette parcelle de terrain, désolé, et que je construis une ville beaucoup plus grande, là, je vais mettre des bus, mais pour l'instant, c'est tellement petit que j'ai pas besoin de faire ça. Tu pourrais marcher d'ici et aller au travail ici en 5-10 minutes, voyons donc. Ok, bon, c'est ça. Pour la criminalité... Ah, ça... Oh, fuck. Ok, je crois que j'ai besoin de construire plus de trucs, hein. Plus de... commissariat de police, peut-être. C'est ici, la police est ici. Bon, quartier général, ça c'est quoi? C'est un quartier général, n'est-ce pas? Ouais, c'est un quartier général, donc... Ouais, il n'y a pas assez de policiers, alors vous savez quoi? Il y a plein de bonhommes ici, hein? Regardez ça, je vais détruire ceci. Je m'en fous si ce sont... Attends, non, est-ce que ce sont des maisons upgrade? Oh, man, il y a beaucoup de ménages ici, je peux pas faire ça. Si je fais ça, ils vont partir. Oh, man, en tout cas, là, si je fais un commissariat de police au beau milieu de nulle part, c'est vrai que ça va réduire la criminalité parce que les gens voudront pas faire comme... Le troc des drogues, ils ne voudront pas avoir de sexy time au beau milieu de nulle part et tout. Mais je sais pas, les mettre au coin d'une rue là, c'est un peu trop... C'est un peu trop normal, c'est pas avant-gardiste comme truc. Ouais, qu'est-ce que je fais? Ah ben, je crois que je vais le mettre ici. Je m'en fous, c'est deux petites maisons, voilà. Et puis là, on va connecter ces rues là. On doit les connecter, regardez ça. Eux là... Oh, attendez. Regardez, comment ils roulent. Regardez, ils doivent faire des tours, c'est tellement chien. Même la petite moto ici ou le scooter là. Ils doivent faire des rues, comme ils doivent faire un gros U-turn. C'est vraiment chiant. On va les aider. Je sais que ça, il s'est développé un peu là, mais bon. Épicerie du coin, les gens iront acheter leurs bananes ailleurs. C'est chiant, maudit là, mais c'est la vie. Alors là, ça c'est quoi? Une rue, je crois que c'est cette rue là, hein. Ouais. Ouais, ok. Ah! Hors des limites de la ville. T'es sérieux? No way. No fucking way. Est-ce que ça, je peux le construire là? Ah ben ouais, je peux le construire là. Eh, pourquoi pas? Et après, hors des limites de la ville. Juste parce que c'est même pas hors des limites de la ville. Voyons donc. Oh, je vais pas acheter une parcelle de terrain juste pour ça. Voyons donc. Non, je vais pas faire ça. Oubliez ça. Non. Les gens là qui vont construire des maisons ici, good luck. Je sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais good luck. Peut-être vous allez construire des maisons mobiles là, mais bon, whatever. Alors là, j'ai besoin de plus de commerce, hein. Ok, on va mettre... Ouais, pourquoi pas mettre un dépanneur du coin juste ici? Comme ça, les gens qui habitent ici, ils peuvent aller chercher des bananes, du lait, juste à côté. Eh, que je suis considéré. Oh, je suis une personne attentionnée. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que je suis attentionné? Moi, je trouve que je suis super attentionné. Voyons donc. Ah, j'espère que je ne construis pas trop de trucs parce que je ne vais pas faire la même erreur qu'avant. Il y a... Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai comme vu... Ouais, les déchets se sont accumulés, j'ai remarqué, mais je peux rien faire. Regarde, le bâtiment se vide, mais je peux rien faire. Tu veux que je construise plus de trucs d'usine à incinération? C'est bon. Je vais le faire. Plus d'usine à incinération, là. Faut pas que je suis la logique... c'est ici. La logique de la vraie vie. J'ai envie d'en mettre ici, là, mais... Je sais pas. Si jamais ici, ils vont se plaindre que ça pue et tout. Des sous-vêtements de blablabla. Ok, c'est bon. Alors j'en ai un ici, j'en ai un là. J'ai envie de mettre ça ici, mais c'est pas bon pour la population. Et c'est pas bon pour les gens ici. Oh, damn, qu'est-ce que je fais, mais... Oh, ça s'accumule! Oh! Est-ce que je fais chier à une petite partie de la population juste pour faire ça? Qu'est-ce que je fais? À moins que j'en construis un à côté de l'autre et puis... à moins que j'augmente le budget. Attends. Ok. Réserve de déchets. 37 000. Mais 3... Non. En fait, c'est 373 000 sur 400 000. Ça veut dire qu'il n'y en a pas assez. Si j'augmente le budget des déchets, là, ici.
plus il y a d'argent dans les caisses des structures et de traitement des déchets, plus il y a de véhicules. Ok, il y a plus de véhicules, mais on peut pas les brûler malheureusement, alors il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Ok, non. C'est bon, je vais en construire plus. Voilà, un ici, deux ici, bon. Et là, ici... Attends, je suis en train de construire la bonne shit, hein? Ok, usine d'incinération, voilà. Je sais pas pourquoi c'est noir là, mais... Ça veut dire que ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est noir? Qu'est-ce que t'es en train de me dire? T'es en train de me dire que ça marche pas? Regarde ça! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Je ne sais pas ce qu'est la différence, mais whatever. Alors, le problème des déchets devrait se régler plus tard, là. Oh boy, c'est pas croyable. J'ai même pas pu développer ma ville, c'est pas croyable. En tout cas, les amis, nous allons prendre une petite pause ici et nous allons continuer ça la prochaine fois. Je suis encore désolé. Je voulais vraiment créer la couille-laine ici, mais il faut régler les problèmes de cet endroit avant de passer à la couille-laine. Je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, je crois que la prochaine fois, je pourrais développer cette parcelle de terrain. Et peut-être cette parcelle de terrain. Et après, on va tenter le coup. On va tenter de construire quelque chose ici. Bon, en tout cas, les amis, ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette 11e partie sur Cities Skylines. C'est vrai que le gameplay est lent, je le répète souvent. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un jeu où tu dois gérer une ville, alors c'est comme ça, hein? Allez, bon! Si vous voulez supporter cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour savoir quand je sors la prochaine partie tout en vous joignant au gang de couilles. Et n'oubliez pas les potos, vous êtes les meilleurs. Bye bye!